Jésus, c'est bien vivant qui sortit dans le ciel. C'est nourriture dans nous. Peut-être ça, pas commencer journée ni pas passer journée sans pas nourrir l'esprit ou à l'amour dans le pain qui baille la vie. Chaque matin, à partir de 6h, venez rencontrer Jésus, pain qui baille la vie, sur AFCH Haïti TV, Channel YouTube Renouveau Charismatique. Nous l'attendions comme les matinales, une émission La Brière, you see wom kap kembeo en bas force l'esprit saint pour toute journée, pour toute journée, toute journée. Et du Saint-Esprit. Amen. Père, dans le grand mystère de la croix, de la résurrection de ton Fils Jésus, notre frère, que ton Esprit Saint éclaire notre intelligence, afin de saisir la grandeur de ton amour pour chacun d'entre nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, mère des malades. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, patronne d'Haïti. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours. De les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs moyo, toutes amies, auditeurs, auditrices, toutes internautes à FCH Haïti TV, bonjour. Toutes amis renouveau charismatique yo, tout si la yo qui fait abonné ensemble avec télé renouveau a, tout frère yo, tout sœur yo, n'importe côté que nous y a, moment arrivé pour que nous capables plonger nous dans la prière. Oui, plonger nous pour que nous capables ressourcer nous, et ceci nous vient plonger nous dans la présence bon Dieu. Parce que présence, bon Dieu,
eh bien, li pote la joie pour nous. Présence, bon Dieu, pote réconfort pour nous. Présence, bon Dieu, pote cœur posé pour nous. Là, nous, dans présence, bon Dieu, nous sentons bien. Présence, bon Dieu, eh bien, couvris-nous avec grâce, avec bénédiction. Présence, bon Dieu, transformez la vie, nous. Présence, Jésus, t'es changé la visage. Là, il t'est rentré la caille. Je dis à moi, invitez au frère seul, l'ouvrir pour tout, pour que Jésus soit capable de rentrer la caille. Parce que présence, mon Dieu, a changé situation, la vie où je dis à. L'écoulé, couillongle au frère. Non, jardin que moi. Kouyon la pli kap tombe. Li ouze jardin. Présence ou fè dout yo ale. Présence ou pa kite m sombre. Présence ou se tout sa m bezwen. Nan la vi mwen. Présence ou fè dout yo ale. Présence ou pa kite m sombre. Présence ou c'est tout sa m bezwen. Nan la vi mwen. Présence ou nan la vi mwen. Fè m konprann pi byen. Ki proje ou gen pou mwen. Kote wap menen. Présence ou nan la vi mwen. Mete sou chimen. Yon limyen ki pou klere. Pou fè mwen. Oui, c'est dans présence ou bon Dieu grand maître que nous vini. Parce que nous reconnaître, c'est au même qui c'est sous la vie. Et même Jean-Pierre, t'es capable d'y lire. Seigneur, à qui irions-nous? Car toi seul as les paroles de la vie éternelle. À travers la présence qui a manifesté aujourd'hui dans la prière, ou abonnons yon parole. Et parole que ou abonnons, c'est une parole de confiance. Parole que ou abonnons, son parole qui a dit nous, nous pas gagner pour nous peur, parce que ou là, ensemble avec nous. Quelle que soit difficulté, quel que soit problème, quelle que soit situation que nous vivons, mais nous voulons rester dans la présence sous, parce que nous pas gagner pour nous inquiéter nous, les que ou même ou là, parce que depuis ou là, c'est ou même qui gagne contrôle tout le bagage. Nous disons merci pour présence sous qui dans la vie nous. Nous disons merci pour présence sous qui a régné dans cœur nous. Merci pour présence sous qui a transformé toutes nous mêmes aujourd'hui. C'est dans le corps que nous venons plaigner misaine. C'est dans la main que nous venons laguer la vie. Non? Oui, nous voulons abandonner nous aujourd'hui pour que nous capables de faire sauver avec nous. Oui, nous voulons abandonner nous. Barou-même. Nous voulons remettre toute inquiétude nous. Nous voulons remettre
eh bien, tout ça que nous y est comme monde, tout ça que nous avons vivre, surtout dans le pays d'Haïti, tout ça que nous avons vivre dans le pays ça. Oui, pendant que ou là ensemble avec nous, ou là ou présent avec nous, nous voulons faire la planche dans la mer. Nous voulons abandonner nous dans la mer. Nous voulons remettre nous totalement. Pendant que nous demandons au verset sans précieux sur nous. Laver, foubir, nettoyer nous. Oh, pendant que nous abandonner nous, barou, nous promettons tout. Péché nous. Yo. Ça qui bloque la délivrance nous. Grâce qui empêche que grâce ou descende dans nous-mêmes là. Nous portons le barou. Pendant que nous abandonner nous. La mer. D'être près de toi. Accepte mes silences, ô Jésus, mes jours sans espérance, ô Jésus, et ce désir si dense que tu sois feu intense et que je sois le bois. Je m'abandonne à toi, je m'en remets à toi, je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être près de toi. Vois mes chansons futiles, ô Jésus. Mes chemins inutiles, ô Jésus, et ce désir fragile d'être un morceau d'argile toujours entre tes doigts. Tu es l'alpha et l'oméga, tu es le Dieu de l'impossible, maître de l'impossible, pas de rien que au parafait. Je dis à nous lever, journée ça qui commençait. Peut-être nous commençons avec un bagage qui paraît impossible pour nous. Peut-être que nous commençons avec un trou noir, un bagage que nous pas capable de comprendre mais que nous avons vivre. Seigneur, dans mer nous porter devant. Oui, c'est dans mer que nous porter situation noire. Nous venons nous remettre dans mer, famille nous. Nous venons nous remettre dans mer. Tout qualité problème que nous avons vivre dans la famille. Nous venons nous remettre dans la main. Malade, les gens qui souffrent, les gens qui accablent dans le moment ça. Les gens qui vivent des moments difficiles dans le moment ça. Les gens qui souffrent dans le moment ça. Les gens qui parlent devant, qui parlent derrière dans le moment ça. Les gens qui parlent qui route pour yo faire dans le moment ça. Moun ki senti que la vie a pas fini nan moment ça, moun ki nan me kidnappé nan moment ça, moun ke kidnappé fin déchèpillé, nou pote yo barou jodi a gramèt. Moun ki a vive yo situation que personne moun pa capable aider yo, c'est seul ou même qui capable aider, c'est seul ou même qui capable dire un mot, c'est seul ou même qui capable agir. Nan mer, nous abandonner nous et n'a dit où fait sauver avec nous. Je m'en remets à toi. Je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être près de toi. Bon Dieu grand maître, bon Dieu papa, bon Dieu la vie. Même Jean apôtre, yo te mandé au l'Esprit Saint, yo te voyé vraiment l'Esprit Saint ba yo même. N'a mandé aujourd'hui à souffler sur nous l'Esprit ou là. L'Esprit ça que nous t'a fêté dimanche dernier qui te descend qui vient renouveler l'église là. N'a mandé au t'en prie, viens souffler l'esprit la paix ou là dans nous-mêmes.
continuer manifester l'esprit puissance soi, l'esprit aimé là, l'esprit que posé à continuer manifester dans la vie. Oui, esprit saint vient mettre force dans faiblesse. Esprit saint vient changer nous complètement, habiter dans nous-mêmes, envahir l'esprit papa, l'esprit petit là, descend sur nous. Au cœur du Christ en croix, l'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe au-dessus du Jourdain. J'étais pris dans ma cage de peur, quand l'esprit a fait trembler les murs. L'esprit papa, l'esprit petite là, descend sur nous. L'esprit papa, l'esprit petite là, descend sur nous. Et qu'on y a fait seul. Pendant que nous remettons la vie, pendant que nous remettons journée, bah mon Dieu, on nous les aimait. Pour nous faire louange accompli dans vos vies. Parce que c'est la louange, oui, que grâce, mon Dieu, descend. Est-ce que nous songeons Paul avec Silas qui était dans la prison? Puis on était dans la chaîne, oui. Pas prison, on était fermé, oui. Gardien, t'as veillé, oui. Mais on t'a fait louange accompli pour mon Dieu. Et chaîne prison, chaîne était cassée, pas de prison, on était l'ouvrie. Est-ce que nous songeons ça? Peuple là qui était prêt à la bataille là. Est-ce que nous songeons? Eh bien, que tu pouvais faire louange accompliment, mon Dieu. Et tu as gagné la bataille là. Est-ce que nous songeons David? David, dans une situation difficile, il n'est pas devant, pas derrière. Il prend un pli. Eh bien, il commence à danser. Et là, David, pour la danser, mais madame, comme fâché, parce que le petit cadeau, regarde qu'ils ont wap dansé. Mais c'est parce que vous connaissez le secret de la louange. Oui, le secret de l'ivresse de la louange. Le secret de la sœur de la louange. On nous venait, on fait une sœur, mais pas de couture. C'est la caille, là, c'est le travail, là, c'est la machine. Là. Mais faisons ça. Nous venons, mais mon Dieu, gloire, dis mon Dieu, là, merci. Merci pour grâce, oui. C'est pas bon, puis bon, parce que si là, oui, qui pas levé ma terre, mais son grâce que mon Dieu fait. Oui. C'est pas bon, puis bon, parce que si là, qui n'a pas kidnappé dans un moment ça, mais son grâce, mon Dieu fait. Et si c'est dans un kidnappé que vous y est dans un moment ça, même par la louange, que monsieur de Bral dit, ah, nom ça, femme ça, li gon du feu dans lui-même, eh bien, nous pas qu'à kembe l'issite là encore. Amen. Oui, frère, sœur, on nous fait louange. À compliment pour bon Dieu papa, pour bon Dieu petit là et pour bon Dieu l'esprit. Yes.
remè wè chante avè nou ankor. Eske nou kontan, Timounio, eske nou kontan? Oui, nous bénissons, Seigneur, pour grâce. Nous bénissons, Seigneur, pour bien faire. Nous bénissons parce que vous êtes grand, parce que vous êtes bon, vous êtes merveilleux, pas de temps court. Nous bénissons dans l'église là. Nous bénissons dans le pays. Nous bénissons dans la communauté. Nous bénissons dans le problème, dans la tête chargée. Ça qui paraît impossible devant nous. Ça qui paraît difficile dans la vie. Nous bénissons parce que pas de rien qui est possible pour vous. Parce que nous connaissons, ou pral changer la vie, non? Oui, nous croyons, nous certains, ou ap di yon mot pour nous aujourd'hui. Oui, nous croyons, nous certains, ou ap passe avec nous aujourd'hui. Oui, nous croyons, nous certains, que nous papitime sans gado. Louange, accompliment pour vous, Seigneur Jésus. Et qu'on y a frère avec ce moyen, on nous a médité sous somme que nous jouons pour aujourd'hui, et après pour nous acclamer bonne nouvelle. Jésus-Christ. Bye.
Psaume 55, entre parenthèses 54. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. J'ai dit, qui me donnera des ailes de colombe? Je volerai en lieu sûr, loin, très loin. Je m'enfuirai pour chercher asile au désert. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. J'ai hâte d'avoir un abri contre ce grand vent de tempête. Divise-les, Seigneur. Mets la confusion dans leur langage. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Car je vois dans la ville discorde et violence. De jour et de nuit, elle tourne en haut de ses remparts. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Jamais il ne permettra que le juste s'écroule. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur,
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 9, versets 30 à 37. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et trois jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ses paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et, une fois à la maison, Jésus leur demanda: « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qu'il accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qu'il accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers et frères bien-aimés, bonjour. Pour commencer, moi je voulais dire, nous tous cap côté pain matinal, que nous sommes bénis de Dieu, parce que nous sommes vivre de grands moments avec le vin Esprit Saint. Oh, quelle merveille! C'était un prélude à la Pentecôte. Donc, ça voulait dire, nous sommes prêts à un booster dans l'Esprit Saint, cap continuer à faire merveille dans nous chaque. Je vous dis, nous pourrons vivre, qui ça, c'est Marc poté pour nous. Dans l'Évangile, nous sommes tendés à, dans chapitre 3, versets 30 à 37. Somme avec Frémio. Le nous lit l'Évangile là, nous décidons de rester sous deux passages. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Dans le deuxième passage là, message Jésus dit: quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Alors, le Jésus vini avec parole ça: si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier et le serviteur de tous. Jésus voulait encourager nous dans la façon de vivre dans l'Église là, dans le monde là. Faut que nous éviter l'orgueil, faut que nous mettions l'humilité en pratique, éviter tout dans point en comme. L'heure arrivée, Capharnaüm, village côté Jésus t'a vivre, pendant Yoshita, c'est-à-dire Jésus avec 12 apôtres Léo, lui demande: qui discussion nous t'a fait comme ça dans le chemin? Alors, Jésus te connaît bien propre, mais il te voulait confondre parce que il te voulait connaître qui est-ce qui premier dans mi-temps, qui est Jésus pire main. Le bagay comme ça. Somme avec frère. Toute parole ça yo voulait dire apôtre qu'on paraît orgueilleux parfois. Attitude ça semblait esprit de grandeur, monde qui voulait paraître. C'est pour ça Jésus te rappelé à l'ordre, le lui dit: si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier et le serviteur de tous. Alors, Jésus a parlé avec nous-mêmes, chrétiens d'aujourd'hui. Il voulait dire nous: bye bon Dieu place que les mérités dans la vie nous. Évitez montrer que nous plus fort passer un l'autre, surtout dans le travail l'église là. Un chrétien pas de rien mais paraître. C'est dans moment ça
li choisi yon ti moun ki te nan kay la. Nan Bibla, nou remarke ti moun toujou ap suiv Jezu avèk joa, avèk kè kontan, avèk inosans yo. Et Jésus te remè yo tout. C'est pour ça, li di, monsieur yo, quiconque accueille un petit enfant en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Alors, faut que nous pas oublier que Jésus remè ti moun encore une fois, parce que yo c'est des innocents. Ti moun yo dépend de parents yo. Et puis, yo pa gen méchanceté nan kè yo. Donc, Jésus profitait de ces longues marches pour instruire ses disciples avant de les envoyer en mission. Dans tout épisode sa yo, Jésus voulait rappeler nous yon l'autre fois que tout monde qui décide de suivre lui, faut que yo pratique l'humilité, éviter l'esprit de grandeur, éviter l'orgueil. Sem avec frèm yo. L'orgueil, c'est yot nan péché capitaux. Nous songez, gen 7 péchés capitaux. Qui c'est? L'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. Donc, nous, ouais, l'orgueil, c'est premier péché. Donc, c'est pour ça, Jésus vini avec exemple timonio. Voyons ce que dit Matthieu dans le chapitre 18, verset 3. Si vous ne redevenez pas comme l'un de ces petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus insistait sous parole ça que nous joignons qu'il l'autre évangéliste surtout, Marc, Matthieu, Luc. Donc, nous avons importance humilité. Sommes avec Frémio. Si nous voulons suivre Jésus tout bon, c'est pour nous prendre Simon yo comme modèle. C'est ça Jésus mandé. Suivre Jésus mandé une vraie conversion. Mandez-nous des fois, fais-nous tout petit, tout timide. Sœurs et frères, moi supposé nous qu'on rencontrer monde qui est orgueilleux. Monde qui garde yon l'autre avec mépris, avec condescendance. Moi pas camarade. Moun ki kon trete yon lot de tout kalite non, surtout lè ou se yon pov. Mwen kon wè moun kap joure yon pov wè kap mande charite. Nan peyi non, ti garson kap suye machine, gade le chauffeur ou lage yon vitesse san ou baba yo, yon ti kishoy non. De fwa, ran sosyal rentre la dan l'tou pou humilye yon servante kap travay la kayo ou bien yon garson la kou. Sœurs et frères bien-aimés, l'humilité, le service, la patience sont des vertus que nous devons mettre en pratique si nous voulons être de vrais chrétiens, tant que Jésus m'a dit. Le chant bien connu, Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre, ne peut être accueilli que par des humbles. Tout ceci pour montrer nous comment nous besoin vertu tirer les humilités à dans la vie nous. Nous toutes qui sont suivent nous venons à l'Esprit Saint. Nous toutes qui t'en fait la Pentecôte, ça veut dire nous vivre de grands moments avec l'Esprit Papa à petite là. Ça veut dire les joignons nous bel accueil dans mes nous. C'est comme ça la purifier que nous, la prêter avec nous, la transformer nous. La pour augmenter la foi nous dans parole Jésus. La pour retirer tout reste orgueil, tout n'a point en comme. La pour remplacer par l'humilité, la simplicité, la douceur, la patience, la charité. Sœurs et frères, c'est comme ça nous capables mettre en pratique tout ça nous soutenir dans l'évangile Saint-Marc là. Prenons la décision d'être toujours confiant, toujours en émerveillement des choses de Dieu comme un enfant. C'est ça Jésus attend dans mais tout le monde qui voulait suivre lui. Le lui répéter gros paroles ça. Quiconque
accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Amen. Prions le Seigneur. Pour le ciel, les étoiles qui scintillent et brillent, le soleil et la lune qui nous éclairent, le zéphyr et la source et la mélodie, et les fleurs si jolies évoquant l'amour. Toujours présent dans la vie, nous. Nous connaissons petit ou Jésus qui en pile l'amour dans le cœur pour nous toutes, en pile miséricorde. Nous voulons dire merci de ce que vous avez veillé sur nous pendant la nuit là et que vous faites nos cadeaux dans la vie matin. Alors, bon Seigneur Jésus, grand maître, c'est pour ça que nous voulons rester collés sur vous. Jésus, t'en prie, aidez-nous. Éviter péché l'orgueil. Aidez-nous à être des serviteurs humbles, fidèles à ta parole. Esprit Saint, merci pour belle fête la Pentecôte où se permet nous vivre. Esprit d'humilité, restez avec nous. Nous avons besoin de force pour protéger nous. Père éternel, Maman Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous. Nous comptons sur vous pour aider nous à être des serviteurs humbles dans l'église, petit garçon. Père éternel, Papa bon cœur, protégez-nous, sécurisez-nous, bénis-nous pour nous capables de continuer le travail dans l'église Jésus-Christ, petit roi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours.
Jésus, c'est pain vivant qui sortit dans le ciel. C'est nourriture dans nous. Peut-être ça, pas commencer journée ni pas passer journée sans pas nourrir l'esprit ou à l'amour dans le pain qui baille la vie. Chaque matin, à partir de 6 heures, venez rencontrer Jésus, pain qui baille la vie, sur AFCH Haïti TV, channel YouTube Renouveau Charismatique. Nous l'attendions comme les matinales, une émission La Prière, un sérum qui a été en bas force l'Esprit Saint pour toute journée. Pour toute journée. Voulez-vous rester en contact avec le Renouveau Charismatique en Haïti? Vous ressourcer à travers les prières, les méditations et les enseignements? Abonnez-vous dès aujourd'hui sur la chaîne YouTube de la FCH Haïti TV et activez la cloche de notification. AFCH Haïti TV, la télé du Renouveau. La joie de croire un